Unité 2. Voyage et souvenirs. Semaine 1 et 2. Communication et actes de langage. Situer un personnage ou un objet dans l'espace et dans le temps. Page 24. 25. Que vois-tu sur cette image? Je vois des apprenants dans une classe. Que représentent les images affichées? Elles représentent des endroits touristiques, une place, des personnes, une famille. Où se trouve la petite fille? Elle est dans une classe. À qui parle-t-elle? Elle parle à ses camarades. À ton avis, que fait l'apprenant au tableau? Elle montre des endroits où elle a passé ses vacances à ses camarades. Rita raconte ses vacances devant ses camarades. Bonjour mes camarades. Je vais vous parler de mon voyage à Marrakech. Quand es-tu allé à Marrakech ? La semaine dernière, pendant les vacances avec mes parents. J'ai visité la Koutoubia, Jemaa el Fna et l'ancienne Médina. Où se trouve la Koutoubia? Nora, la Koutoubia est entre la ville nouvelle et l'ancienne Médina. Le visiteur la voit de loin. La Koutoubia est une ancienne mosquée. Elle existe depuis plusieurs centaines d'années. Oui, Amine. Je me suis ensuite promenée sur la place de Jemaa el Fna pendant quelques heures. Puis, nous sommes allés dans un bazar, en face de la place, à côté des magasins de souvenirs. Qui sont les personnages de ce dialogue ? Ce sont les apprenants d'une classe. Que fait Rita? De quoi parle-t-elle? Rita parle à ses camarades de son voyage. Quel est le monument qui se voit de loin? C'est la Koutoubia. Où se trouve-t-il? Il se trouve entre la ville nouvelle et la place Jemaa el Fna. Combien de temps Rita est-elle restée à la place Jemaa el Fna? Elle est restée quelques heures. Où se trouve le bazar? Il se trouve en face de la place et à côté des magasins.
فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا.